Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog de plusieurs jours mélangé un peu parce que du coup les images du début où on fait les trous des Sept Rivières de Steph c'était hier donc samedi 12 février et les images que vous allez voir après donc de la balade en GoPro dans la neige du coup c'était de fin janvier. Du coup on a deux vidéos mélangées. Donc du coup c'est pour ça que Lily elle a pas le même tapis, qu'on n'est pas habillé de la même façon. Parce que Steph s'est rendu compte qu'elle avait plus de batterie dans sa GoPro. Donc du coup elle pouvait pas filmer la balade qu'on a fait hier du coup. Mais vu qu'on a une balade d'avance de fin janvier dans la neige, qui est assez intéressante parce que vous verrez, je vous expliquerai. Donc, du coup on a mélangé les deux vidéos pour vous sortir quand même une assez grande vidéo. Ok, ça n'a rien fait du tout. Du tout, du tout. Et là, du coup, tu vois, si j'essaye de mettre le... Non, après, ça, c'est toujours le même. Tu vois, du coup, ça passe pas. Ah, faut que tu fasses de l'autre côté. Bah, j'ai fait des deux côtés. Ça n'a pas percé. Ça a juste écarté la fibre. Ça n'a pas marché, voilà, voilà, voilà. Mais ça fait rien quoi. Mais tu chauffes pas assez. Bah je pense. Tu vois, là je touche le bois, elle est percée là. Tu vois, c'est percé. Mais en fait c'est juste... Mettre le truc. Bah c'est ça. Mais tu te rappelles, on l'avait fait dans les rivières de Pinocchio. Et c'était dur, je me souviens. Ouais, on avait un tournevis dans notre boîte de pensage carrément. Pour pouvoir pas passer. Plus. Ah bah là ça va non. Bah oui, mais en fait après quand j'essaye de mettre le morceau ah, c'est là, gros après, hein, bah ça n'y va plus quoi. Bon, nous sommes à la recherche d'un... C'est un truc pour les vélos ça je crois. Rustine, oui c'est pour les vélos. Ah, bah, c'est pas... Nous sommes à la recherche d'un... C'est quoi? Un emporte-pièce. Mais en fait, ben, y a tout sauf ça. On ne trouve pas. Je me demande si on devrait pas regarder dans douille et en bout, tu vois. Bah vas-y, sans... Attends, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Non, elle est accrochée. Ah non, elle est aimantée. Quoi, elle est aimantée à quoi? Bah, je pense qu'elle est... Non mais il y a pas d'aimant dans le fond de cette armoire. Ah non. Elle est hyper lourde, mais je pense pas qu'elle se retrouve là-dedans. Est-ce que c'est là? Ok, il n'y a rien du tout. Il y a 50 000 boîtes. Je viens d'avoir une lumière. Il est dans l'armoire blanche en bas. J'y vais. Ah, bah non, il est pas là. J'y ai cru pourtant. Il va nous dire... Ah. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Bon, le père ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non! J'ai fait tout là, toutes les boîtes là et ça va venir de là. Attention! J'ai même fait celle de là-haut. Hein. C'est pas vrai! Ah, si, si. Le Graal! Tada! Oui! Putain, alléluia! On saura, c'est dans une boîte bleue. Après une demi-heure de recherche. Non mais sans deck. Dernière boîte. Non mais vraiment dernière, hein, parce que j'ai tout fait là, tout fait là, tout fait là. Oh, punaise! Même là-haut. Bon bah allez, hein! Essayage! Ça va pas marcher. C'est là que ça marche pas, ouais, c'est clair. Mais il est bien fait ton trou là. Ouais mais regarde quand on essaye de mettre la... Ça marche pas. Tu vois non ça va pas regarde. Mais, non, mais, il faut... mais ça passe pas là. Nous avons trouvé le... ça là. L'emporte-pièce. Mais c'est de la merde. Et en fait il nous fallait une opinion. Voilà. Reste comme ça je vais brûler. Sans brûler ta main. Bah oui c'est mieux. Là je pense que c'est vendu. Ouais, bah attends mais faut faire les trois les autres. Hein. Ça a fait du bruit hein. Mais quand t'as un vrai... Oh ça a marché nickel. Voilà, parfait. Ouais, bah franchement, nickel. Hein. Et puis du coup, l'autre... On aura assez de deux. Ouais, on va essayer deux, comme ça, ce sera pas trop mal. Du coup, 4 cm. Mais regarde comme celui-là, il est plus grand que celui-là. Ouais, c'est fait n'importe comment, en fait. Super. Kramer, vous reverrez un petit peu votre géométrie, hein, parce que... Parce que même nous, on fait mieux que ça que vous. Crac, on a entendu à nouveau. Ah, je le fais bien. Ça passe pas. Attends. Je le refais sinon. Non, si, c'est bon. Faut que tu... Ouais, c'est bon, nickel. Juste à brûler. Voilà. Ouais, c'est bien, je pense. Hein.
Donc du coup, on a refait des trous sur les étrivières de Steph pour son tapis de montacru parce que c'était beaucoup trop grand. Donc on a fait deux de chaque côté et du coup ça a l'air d'aller. On a essayé, enfin Steph a essayé avec un clou. Après on a cherché un porte-pièce partout. Enfin ça on vous l'explique en temps réel de toute façon. Puis finalement on a réussi et du coup c'est nickel. Et on sait aussi que on a pris en compte vos commentaires. Et du coup Steph elle va essayer de pas se servir de trop de ses étriers, mais faut quand même qu'elle tienne à cheval parce que bah Ify c'est Ify quoi, et du coup elle s'en servira le moins possible, mais quand elle sent que Ify est excitée etc, elle s'en servira quand même, et puisqu'elle va recevoir sa selle, vous aurez une vidéo, vous inquiétez pas, elle s'en servira moins de son tapis à cru, ou juste quand elle se sentira pas trop de mettre la selle, ou même quand c'est une balade tranquille, bah elle mettra le tapis de montacru, et puis voilà. Bon, nous avons réussi à percer des trous. Après 8 heures d'acharnement. Après 8 heures de recherche et 8 heures d'acharnement. Le piquet est en lévitation. C'est le fil qui tient le piquet. Généralement, c'est chez les agriculteurs compétents qu'on voit ça. Et très consciencieux. D'ailleurs, je pense qu'on verra pas à la caméra, mais en fait, en dessous, là-bas, le long du mur. Oui, il n'y a plus de fil. Il n'y a plus de fil. Le fil est par terre. Coucou Jackie! Oh, il est trop mignon. C'est le petit poney polaire. C'est la meilleure. La meilleure. Oui. Voilà. Ah, illico. On va se promener? Ouais. Les ânons qui travaillent jamais mais qui ont toujours autant de bonbons. Pour pas être frustré. Les hippopotames. Oui, oui, oui. C'est l'heure du déj. Ben, c'est intéressant ça pour ma Lily. Viens ma chichi. On y va? A tout à l'heure les pounis et les ânons. Je mets le noir. Je suis en rose, alors je vais pas mettre le tout beau rouge. Ça va faire moche. Ça l'a mis tout plein de terre. Là, c'est parce qu'il y avait du son de pinocle de hier. Attention. Ouais. Enfin, les copains, c'est un peu des amoureux. Hein. C'est surtout ça. Hein, c'est ça. Voilà. Dis pas le contraire. Non, ça se mange pas. Les oreilles. Non, c'est pas des bonbons qu'elle ramène, c'est le filet de lit. Tu le veux? Je te le mets suite. Ça va être un peu cran. Hein. Je te fais ça. Tu veux mettre un mort, ma chichi? Ouais. Attends, Ify, nous on partira après parce que tu vas trop vite, toi. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Doucement. Doucement.
C'est chiant, moi, le trotte trop vite, j'arrive pas à tenir. C'est ça. Lily reste à droite, elle veut doubler à l'endroit. Voilà, vas-y, Ify. Mais... Doucement. C'est beau. Je te vois, Ify, tu n'y vas pas. Elle veut trotter. Allez, on essaye, mais doucement, hein. Doucement. Voilà. Doucement. Ify, doucement. Doucement, Ify. Oh, pas. On descend, là. Ça a été? C'est vrai? Oh, Ify! Ça s'est pas bien passé? D'accord. Tu m'as rattrapé au galop? Non, Ify, arrête, hein! Hé! Non, arrête de trotter, hein! Ah! Oh. Tu trottes pas, Ify. On va tomber toutes les deux, un de ces quatre. Elle glisse, hein? Bah, bien sûr, hein. On fait un petit trot, ma chichi? Sur la route. Sur la route, elle va trotter doucement. Tu veux laisser passer la copine? Allez, ma chichi! Allez, ma chichi! Pourquoi tu te mets dans son cul, Ify? Pourquoi? Explique-moi! Allez, ma Lily. Attendez, moi je vous dépasse. Je vais très très vite. Là, ils ont fait un demi-tour en fait, un dérapage, ouais. Tu veux passer dans le pré dans la neige, ma chichi? Ah bah si tu veux. Oula, il y a même un mégot de cigarette, comme quoi les gens ne respectent rien. Regarde, tu vois, regarde dans l'état qu'ils ont mis le pré. C'est une honte. Regardez-moi ça, cette beauté. Ufa, descends pas trop. Elle a sursauté. Elle a vu les gens.
Hein, Lily, mangez vite. Ici, elle mange de la neige. On y va? Oui. Hé, hey, tapez pas ma chichi. J'aimerais bien galoper, mais j'ose pas. Ça, bah, ça pique un peu, quoi. J'ai pas envie de la vexer. Bah, je sais pas, je me dis, j'ai pas envie de la forcer, tu vois. Ah ouais, ça monte. Wouh! Allez ma chichi, galop! 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 Wouh! Wouh! Doucement hein! Oh non, doucement, je vais tomber! Ok. Oh, j'ai perdu le tapis. J'ai perdu le tapis. Attends, ma chichi. Non. Interdiction de bouger. Quoi? Non, mais je pensais pas qu'elle allait... Parce qu'en fait, comme il y avait de la neige, je pensais qu'elle allait galoper normal. Sauf qu'en fait, elle était obligée de sauter, ah bah oui, vu qu'il y a de la neige. Donc elle faisait des bonds. C'est bien, ma grosse. C'est de ma faute, hein. Désolée, ma chichi. Je tiens pas hyper bien. Je suis con parce que... Oh, j'ai pas pensé qu'elle devrait sauter au lieu de galoper normal, quoi. Il y a de la glace là, hein, Ifi. Ouais, je sais pas pourquoi. Attends, mets-toi de l'autre côté, Ifi. Voilà. Oui. Voilà. Ah non. Non, Ifi. Oh purée. Oh putain, Ifi. M'arrêter. J'étais derrière. Oh, je l'ai pris dans la jambe. C'est pas grave. J'ai rien, non. J'ai rien, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète, ça va. On aurait dû rester au pas. Arrête, ici. Ça va, toi? Ouais, j'ai eu peur. En fait, je voulais passer à côté, du coup, pour doubler. Sauf qu'elle s'est retournée. Wouh! Si, bon, elle est partie. Hein, ah, ma chichi? Ah bon? Attends, on va mettre le licol. Donc me revoilà après la vidéo. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé à la fin, parce que je pense que vous comprenez pas trop avec la GoPro. Du coup, on a voulu trotter et même galoper, je crois que moi je suis partie au galop. Stéphanie était derrière moi avec Ifi. Et moi j'ai galopé. Stéphanie voulait pas galoper, mais Ifi en a fait qu'à sa tête comme d'hab. On se demande bien qui c'est qui a débourré cette jument. Mais bref. Elle a rien écouté, du coup elle a essayé de doubler Lily, mais Lily était pas d'accord, du coup elle a mis un coup de cul. Et du coup Lily a lancé un coup de cul, donc Stéphanie a fait un écart, enfin Ifi du coup. Et après elle est repassée devant moi, et donc après on a réussi à arrêter les juments. Donc là vous entendez Steph galérer à arrêter Ifi, parce que on rentrait à la maison là, sinon elle allait juste sur le parking en plein galop. Donc, moi j'ai tourné à gauche dans le chemin qui monte.
Et Stéphanie a fait à peu près pareil. Du coup, on a réussi à peu près à s'arrêter. Et du coup, Lily, à ce moment-là, on est reparti au pas et elle a tourné son cul vers Steph et Ify. Et du coup, elle a lancé un coup de pied. Alors, il n'y a rien eu parce que elle fait jamais trop trop fort. Et puis, de toute façon, elle fait jamais très haut. Donc, ça a touché personne. Donc, voilà, la vidéo est terminée. Et du coup, la semaine prochaine, c'est la vidéo de la nouvelle selle de Steph qui est enfin arrivée. La dame vient l'amener à mardi. Donc là on est dimanche. Du coup vous aurez une vidéo sur ça. Et il fera mauvais. Donc on sortira que Ify de toute façon. Voilà, à la semaine prochaine. Bisous.